nous inscrivons vraiment dans une approche partagée des difficultés et des objectifs que nous devons atteindre, ce qui manifeste bien que nous ne nous contentons pas des outils, si je puis dire, coercitifs que la loi met à notre disposition, mais que nous estimons que l'idéal, c'est d'agir solidairement avec les maires et en bonne intelligence, et c'est ce que nous arrivons à faire. Je rappelle par exemple qu'en 2014, nous avions programmé 2000 logements sociaux, en 2015, 2700. Vous notez ce progrès en dépit des difficultés objectives que nous rencontrons dans un département tel que le nôtre.